bien. Vous seriez capable de nous citer pour la petite Bérangère qui aime la poésie, un poème de Paul Valéry et Pierre ? Ou éventuellement une chanson de François Valéry. Sois-toi tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu. La mer, toujours récompensée, recommencée. Oh, récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Ça, il envoie, Pierrot. C'est formidable. Hein. C'est bien, Pierrot. C'est pas parce que je m'y connais en gonzesse que je m'y connais pas en poésie. Je dis un truc. Tu m'aurais emballé avec ça, je te jure. Ah bah bien, je vais t'emballer. C'est pas sur Tinder qu'on a des mecs qui font des poèmes. Hein. C'est vrai. On vous drague pas avec des poèmes, vous ? Qu'est-ce qu'ils vous disent les mecs quand ils vous abordent ? Maintenant, ton 06. Ouais, c'est plus. Ouais. Du genre, ouais. Allez-y, expliquez-nous. Tu suces ? Non, on dit pas moi, ça. Moi j'ai eu ça sur un passage piéton. En plus, le mec le dit pas très fort. Et il m'a dit tu suces. Et je me suis dit, mais même s'il voulait me poser vraiment la question, il faudrait qu'il me le regarde pour me demander et que je l'envisage, que je le vois, que je lui réponde. Mais en fait, comme je suis déjà de l'autre côté, et là on sent comme un steak haché sous vide. Et on se dit, voilà, je suis une paire de seins avec des cheveux. Mais non, t'as de la chance, toi. T'as de la chance qu'il y ait encore des mecs qui te demandent ça, toi. Mais à ce propos. Christine, on lui demande si tu suspends, que vous connaissez. Putain, moi, j'en ai pas arrivé depuis longtemps. Il y a une histoire là-dessus. Le gars, il est au comptoir, bar d'un hôtel très chic, tout, il est là, et puis il en tient une. Hein. Il y a une gonzesse sublime qui est là, Ah, mon Dieu, viens, je te la fous très bien où que tu voudrais, ma salope. Là, la gonzesse lui fout trois pains dans la gueule. Le gars tombe, s'éclate les lèvres sur le bord du comptoir, 5 minutes dans le coltard, il se relève, il s'agrippe au comptoir, il fait « Et je suppose que vous chichez pas non plus !» Mais alors, non, mais sérieusement, ils vous disent quoi, alors les mecs d'aujourd'hui, Bérangère, quand ils vous draguent, par exemple ? Mais il n'y a pas de règles, mais un poème, ça n'existe plus. Après, ceci dit, je dis ça, peut-être que les filles d'aujourd'hui, un mec qui fait un poème, on fera « Oh là là, le gars, il m'a fait un poème, laisse tomber, c'était trop lourd !» Je sais pas. Mais Pierre, c'est ce qu'on me dit en général. Les Bérangères, c'est un mec Tinder, déjà. C'est pas mal. De quoi ? Bérangère, c'est un mec Tinder. Dans votre spectacle, vous donnez des exemples de mecs qui vous abordent très très. Oui, alors ça c'est pas. Oui, dans le spectacle, c'est pas vrai. C'est pas ce que j'appelle de la drague. J'appelle ça de l'intimidation. Par exemple. Bah par exemple, hey, mademoiselle, ton père, il est pas terroriste. Parce que franchement, vous êtes une bombe. Et toi, ton père, il travaille pas pour les dragées Fuca parce que vraiment, tu me fais chier. Oui. Ah oui. C'est une façon de répondre. Et vous, alors, quand on vous drague, Christine, qu'est-ce qu'on vous... On me drague pas, on me débroussaille. Ton père, il est paysagiste.